premier sujet, c'était de parler de la synergie qui existe entre le gouvernement du Togo et SOS Village d'Enfants. Donc, parce que nous travaillons depuis toujours, depuis 1979, nous avons toujours travaillé en étroite collaboration et nous avons toujours soutenu la politique du gouvernement, notamment dans le domaine de l'enfance et des jeunes. Les défis de l'enfance vulnérable aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir avoir des modes de prise en charge des enfants qui n'ont pas de famille, et donc de pouvoir toujours accompagner le gouvernement sur l'aspect légal de la prise en charge. C'est relativement technique, mais si on donne un cadre bien clair, ça permet aux enfants qui n'ont pas de famille d'avoir des modes de prise en charge qui soient adaptés à chacun, mais surtout qui les protègent, et donc éviter les abus. Et pour ce faire, on travaille avec le gouvernement du Togo, notamment sur les familles d'accueil. Il faut savoir qu'on touche à peu près 80 000 personnes, donc dans une vingtaine de communautés. Elle a réitéré l'envie de collaborer plus sur l'employabilité des jeunes et sur la jeunesse d'une manière générale. Parce que vous savez, lorsqu'on s'occupe d'enfants, ils vont devenir jeunes. Et quand ils sont jeunes, il va falloir qu'ils trouvent un emploi et qu'ils s'intègrent dans la communauté.